Ok, donc là c'est le vote du jury. Il reste plus qu'un pays à donner. C'est du coup les votes du jury. C'est les Pays-Bas. Ah, on n'a pas encore de points. On ne peut pas être premier avec eux, c'est bon, il y a trop d'écart. Netherlands, 12 points go to France. Je suis stressée. Allez, pétasse. 12 points from the Netherlands go to. Merci, Pays-Bas. Bon, on est deuxième pour l'instant du vote du jury avec 248 points. Donc tout est possible avec le vote du public. C'est vraiment à voir avec le vote du public. Francophone. Vous pensez qu'on peut, vous pensez qu'on a moyen de gagner ou pas? Ah oui. Ça va nous. Il faut se préparer pessimiste. Ça va nous coûter un fric monstre. Mais non, on va pas gagner. Ta gueule. Franchement, je coupe. On va voir. Je remets au moment du vote du public. C'est parti. Ok. C'est parti pour le vote du public. Je suis pas prêt, j'ai trop peur. C'est mon verre de prêt. Si on perd, c'est à cause de Macron. Macron d'émission, ouais. United Kingdom, 0 point, quoi. Après, ils en avaient pas. C'est vrai, le Royaume-Uni a eu 0 point du jury. C'était très mauvais. Oh! Notre belle blonde. Aussi. Mais c'était des balles. Mais j'étais aussi. Sûr. Mais là, bah, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vous avez quelque chose vous là? Non. Si je... Non. Mais par contre, si on gagne pas l'Eurovision, je casse une assiette. Franchement, l'Espagne, je savais que c'était pas très bien classé, mais je pensais que c'était un peu plus haut quand même. Après, il est beau, du coup, il a quand même ça pour lui. Hein. Non mais. Ouais, bon, d'accord. Si on Grindr. Hein. En fait, le public a voté pour un pays. On est d'accord. Merci ma puce de résumer 25 ans d'Eurovision. Merci à toi. Mais est-ce que les votes sont politiques? Qu'en partie. Mais non. Niquez-vous, mais en même temps vous avez fait aucun effort. Ah bah, un verre ma belle. Oh. Ah, homophobe, l'homophobie. Le live bug. Ça s'est coupé, l'homophobie, putain. Imagine, c'est ça le moment où la France... Putain, babouchka babou, je te hais. Imagine ma vidéo, elle marche, et juste mon autre, ça coupe. Bah les gens me voleront. Ah la Serbie elle a gagné pas un point. Bah il mérite. Carré boule, je attends, quoi, attendez, l'Azerbaïdjan, je l'ai mis en top dans le, j'ai mis 11ème. C'est de la merde. Bah c'est le totalitarisme en fait. Non, je t'avais dit. Bah vive l'Arménie. L'Arménie. Saint-Marin c'est pas haut. Ben non mais Saint-Marin ils ont pas encore voté. Si. Là c'est bon. Hein. Ben ouais. Saint-Marin. Nique-toi Monica Lynch, nique-toi. Saint-Marin j'ai mété 5ème. Le 10ème en sueur. Tu t'es bien la Suède. Zéro effort cette année. Vraiment des baltringues. Non mais la... non, attendez. Mais cette Eurovision est trop excitante parce que c'est trop imprévisible. Attends, la Suède a eu 0 points. Oui. Non, pas 0 points. Non, pas 0 points. Mais juste, ils ont pas été autant qu'on. Ah Cyprus. Mais la Chypre, j'ai mis 10ème. En vrai, Cyprus l'aimait bien. C'est une belle meuf. Bon, après, elle a plagié Lady Gaga. Comme bah, ça, c'est vrai. C'était non, pas... Attends, ils ont pas aimé. Hein. C'était la version chic de Bad Romance. C'est trop imprévisible. Je suis choqué. Belgium. Merci. Zéro. Oh dans vos gueules. Mais c'est bien fait. La sélection flamande, la de merde. Elle ose une vraie réaction, non, elle fait pas non. Semblant. Non mais honnêtement, comment tu peux être déçu après 25 ans de musique d'avoir jamais percé? Israël. Oh. Israël a des points. L'Ukraine, ouais. Attendez, l'Ukraine. L'Ukraine, je veux que ce soit en top 10. Ah ouais, Belgique plus. En vrai, l'Ukraine peut gagner. Allez, c'est la chanson du monde. L'Ukraine ne peut pas gagner, mais... Attendez, silence pour l'Ukraine, s'il vous plaît. Oh. Je suis trop content. L'Ukraine, je pense qu'ils vont être dans le top 10. Le Suisse, il est quand même beau. Hein. Russia. La merde. Imaginez si ça bug pour la France. La France ne gagne pas assez. Par contre, Babouche, si ça bug pour la France, je te hais. Hein. Ouais, c'est de la merde. 100 points. Bulgarie, attendez, Bulgarie, que 30? C'est de la merde aussi. Hein. Non, Bulgarie, c'est très très bien. Non, mais elle était déguisée en prisonnière sur non, un mais encore une fois, je m'en fous. Je veux juste aller dans un pays. Ah, la barbarie non, non, Bulgarie, c'est très bien, il méritait le top 10. Putain, mais plus, Iceland. Eux, je les adore. Ah, il mérite beaucoup. Regarde qu'est-ce qu'il fait avec sa tasse. Wouh.
C'est bien. Ouais, bien. C'est bien, oui. Ouais. Ah, ouais, bah tant mieux. Ils sont dans le top 5. Taisez-vous, il y a l'Italie. Je suis stressée. Mais attends, parce qu'ils disent combien de points il reste à l'autre. Mais c'est évident, c'est évident qu'ils sont premiers ou deuxièmes. C'est évident. Non, mais ouais, l'Italie c'est premier ou deuxième, c'est sûr. Oui, il faut combien du coup ? Autant de points, 524. Ben voilà. Mais on ira à Rome ou à Paris, c'est pas grave. Là, j'avoue, j'ai peur. Moi, honnêtement, ça me bat de rester à Paris, je savais. Ben on peut aller à Saint-Denis, on peut aller à Rome aussi. J'ai peur. Attends. Moi, chez Barbara Pravi, je me pisserais dessus en fait. Ben ouais, mais c'est ce qu'elle a fait. Allez, nique-toi, ton contrat chez Sony. Non mais c'est vraiment dégueulasse, elle méritait beaucoup plus. Elle méritait deg. Mais c'est normal qu'elle soit deg, c'est pas juste qu'elle vit là. Mais elle le savait. Mais non, 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 non. Elle a compris. Mal méritait plus, mal méritait plus. Attendez, c'est la France. Chut. J'ai trop peur. La francophonie, putain. Ah non, ça va, non. Non, 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 non. Mais c'est pas vrai. Non, non, ça bug pendant la France. Les réseaux sont saturés. Non, il y a un problème là. Imaginez, ça bug pour la France. Non, non, ma vidéo là, ma vidéo. Mais il faut se connecter contre la main. Là, le suspect est à son comble. Ta gueule, ma Ginette. Ouvrez Twitter, ouvrez Twitter. Non. La bouche non, et... pile pendant la France, non, c'est... non, ça c'est homophobe. Mais oui, c'est homophobe. J'ai pépé. Reviens en arrière. Non, putain, la France, on a perdu, je crois. Oui. On a perdu. Oh non. On est deuxième, on va être troisième, On va être troisième. On va pas les points, On a perdu, Après, on avait fait un moment facile. C'est l'Italie. Mais par contre, si on gagne pas l'Eurovision, je casse une assiette. L'Italie a gagné du coup, J'en ai marre. On est arrivé combien du coup? Troisième. On est arrivé troisième. C'est quand même exceptionnel. Attendez, on est d'accord que troisième, c'est exceptionnel pour la France. Oui, plutôt, ouais. Sachez la Suisse que vous êtes arrivé avant, mais grâce aux paradis fiscaux, vous êtes des nerds sinon. Non. Barbara Pravi, je t'aime. Barbara Pravi, on est fiers de toi. On se boucle quand tu veux, on a un café de Paris. On est fiers de toi. Est-ce que t'es fier de Barbara Pravi? Absolument, oui. Merci Barbara. On t'aime Barbara. Et on arrive deuxième avec 499 points sur 524 Italie. On arrive deuxième. On est content ou pas de la deuxième place? Non, on n'est pas content. On n'est pas là pour s'amuser. Moi, je suis très content. Anyway. Les gens qui se contentent de la deuxième place, c'est des losers. Non, c'est des presque winners. Moi, je Donc, je suis très content de notre passe. Et voilà. Bonne sauce. Moi, je suis vraiment très très content. Je suis très fier de Barbara Pravi. Et voilà. Je pense que vraiment la France peut être une bonne route pour gagner l'Eurovision. Très bientôt, ça va arriver. Bisous.